Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vive une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vive une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Oh, oh. Le décor est incroyable, l'accueil est incroyable à l'aéroport aussi. Et donc voilà, là je suis prêt, je suis prêt à vous écouter, je suis prêt à vous entendre. Est-ce que c'est plus facile en solo ou en groupe? Ben en fait, les deux, il y a inconvénients et avantages dans les deux en fait. En groupe, l'avantage c'est que vous faites tout à deux, c'est-à-dire vous êtes sur scène à deux, c'est partagé. Vous avez la pression partagée quand vous sortez un album. Et voilà, vous êtes plusieurs, vous pouvez vous soutenir entre vous. En solo, t'es... Par contre, l'inconvénient, c'est que, par exemple, tu peux pas faire vraiment ce que tu veux tout le temps. Parce que t'es en groupe, donc il faut toujours qu'on arrive à se mettre d'accord sur ceci, cela. Ce qui était assez simple avec Abutal dans Shinsekai, parce qu'on se comprend facilement et on n'a pas de problème avec ça. Mais c'est vrai qu'en solo, tu fais ce que tu veux, en fait. Si tu te réveilles le matin, t'as envie de chanter ça et de le sortir, ben tu te réveilles, tu chantes ça, tu le sors. T'es solo, donc quand tu vas à droite, quand tu vas à gauche, ben on n'est plus en groupe maintenant, tu vois. Quand t'es sur scène aussi, c'est pareil, t'es tout seul. Mais j'arrive à pallier cet inconvénient en essayant d'emmener un maximum de monde avec moi. J'aime bien être entouré des gens que je connais bien, des gens que j'apprécie. Non, Shinsekai, c'est pas fini, c'est vraiment une pause en fait. Comme on a sorti trois albums en groupe, on s'était dit que on voulait, parce que moi quand j'ai commencé la musique, j'ai commencé en groupe direct. En fait, j'avais fait des solos, mais c'était vraiment le tout début de ma carrière, donc c'était même pas des sons qui étaient sortis. Donc quand le premier son officiel que j'ai sorti, c'était en groupe. Je suis resté en groupe du début de ma carrière jusqu'à 2016 avec l'album Indéfini de Shinsekai. Et à partir de là, on s'est dit tous les deux qu'on aimerait bien tester une aventure solo pour voir ce que ça peut donner et voir si ça peut aussi renforcer le groupe. Si on réussit chacun de notre côté et qu'on revient en groupe, ça peut être que bénéfique pour le groupe. L'Afrique, comme beaucoup de gens le savent beaucoup, l'Afrique, ça a une grande place dans ma musique, dans ma culture, dans tout ce que je fais. J'ai commencé avant de faire quoi que ce soit, avant même que l'album y sorte, j'ai commencé une tournée en Afrique d'abord, avec Nasser qui est là. J'ai voulu donner c'est comme un remerciement pour l'Afrique, parce que l'Afrique m'a soutenu vraiment depuis, même quand j'étais en groupe. Il y a beaucoup de sonorités africaines dans mes mélodies, parce que j'ai grandi comme ça. Mon père était chanteur, donc j'ai grandi avec ses musiques. Ma mère écoutait beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique africaine, et en même temps elle écoutait aussi beaucoup de variétés françaises. Ça veut dire j'étais schizophrène. Ok, le prince d'âge, on se voit demain.